Thank you que personne n'est de Dieu à titre séparé, ni de nouveau, ni d'étranger, à moins qu'il n'ait été officiellement admis, qu'à titre privé, il rendent un culte à ceux qu'ils ont régulièrement reçus de leur père. Ce n'est pas de moi, c'est de Cicéron. Cette citation de Cicéron, qui rend de manière formelle l'état d'esprit des Romains à l'égard des cultes nouveaux, ou des cultes étrangers expliquent de manière substantielle les difficultés du mouvement chrétien au deuxième et troisième siècle, elle explique aussi l'âpreté des relations des chrétiens à l'égard de certains membres de l'ethnicité judéenne qui ont refusé de partager le statut dont ils bénéficient dans l'Empire un mot sur le titre de cette conférence les frères jumeaux ou les frères triplés Alan Segal est apparemment le premier à utiliser la métaphore des frères jumeaux notamment en s'inspirant du récit biblique sur les enfants de Rebecca elle a ensuite été souvent reprise notamment par Israël Yuval la métaphore de Rebecca portant deux frères jumeaux Jacob et Esaü, représentant chacun une nation, entre guillemets, a été utilisé aussi bien par ceux qui sont issus du judaïsme que par ceux qui sont issus du christianisme. C'est déjà dans le texte biblique et des raisons idéologiques et politiques expliquent pourquoi Esaü est identifié à Édom. Ce qui facilitera plus tard son assimilation avec l'Empire romain. Le tristianisme a fait aussi usage de la métaphore biblique en se voyant lui-même comme le frère aîné Jacob, le père d'Israël, et en considérant les Judéens comme Ésaü. Comme le souligne Steve Bélanger, dans une contribution à paraître, cette métaphore présente, je le cite, présente l'avantage de réunir deux notions importantes. Les jumeaux ou les frères se seraient progressivement séparés. La question de la rupture entre le judaïsme et le christianisme, on le sait, vous le savez, a fait couler beaucoup d'encre, sans qu'elle puisse pour autant avoir été résolue. Elle est d'une grande importance, car si on ne parvient pas à en établir ses dimensions d'un point de vue historique et d'un point de vue théologique, il est certain qu'elle ne peut que demeurer insoluble et source de conflits et parfois de haine, comme cela est le cas jusqu'à nos jours. Il faut reconnaître d'emblée et sans ambiguïté aucune que s'il y a eu, il y a un anti-judaïsme de la part du christianisme, il y a il y a eu, il y a aussi un anti-christianisme de la part du judaïsme. Dans l'Antiquité, jusqu'au IVe siècle, la lutte entre ces deux entités religieuses a été dure et sans pitié. Après la victoire du christianisme sur le paganisme et la conquête politique de l'Empire romain qui s'en est suivie, le christianisme a contraint par tout un arsenal juridique attesté notamment, mais pas seulement, dans le code théodosien et dans le code justinien, le christianisme a contraint le judaïsme à renoncer au prosélytisme et à la diffusion de ses croyances et pratiques. C'est ainsi que le christianisme, durant toute l'époque médiévale et moderne, est parvenu à renvoyer le judaïsme dans une certaine marginalité sociétale duquel on l'a sorti parfois afin de le persécuter pour toutes sortes de raisons. De fait, le conflit entre judaïsme et christianisme dans l'antiquité classique et tardive, le seul qui m'intéresse ici, tant en Orient qu'en Occident, a concerné autant le judaïsme synagogal que le judaïsme rabbinique, mais sous des aspects relativement différents. C'est la thèse que l'on propose ici, elle est issue des recherches les plus récentes sur le judaïsme antique et sur ses implications nouvelles, et de ses implications nouvelles sur nombre de questions afférentes. Les études les plus récentes, je vais reprendre un peu ce que je vous ai dit un certain vendredi. Je ne sais plus quand, il y a une dizaine de jours. Les études les plus récentes sur le judaïsme antique d'après 70, date de la destruction du Temple de Jérusalem, et la remise en cause de l'hégémonie du rabbinisme nécessite de revenir sur les travaux antérieurs. En effet, le judaïsme d'après 70, ayant été tout aussi pluriel que celui d'avant 70, il convient de reconstruire une histoire tenant compte des différents mouvements en considérant que le temple a été remplacé par les synagogues, lesquelles ont existé bien avant sa destruction, tant en Palestine qu'en diaspora. Le seul élément qui change entre l'avant et l'après-70, c'est finalement la disparition du temple ce n'est ni l'apparition des synagogues ni l'émergence des mouvements du moins pour ceux des pharisiens et des chrétiens dans une telle configuration il devient de plus en plus évident que les rabbins sont d'une manière ou d'une autre les héritiers des pharisiens il est nécessaire aussi d'étudier les mouvements des chrétiens et des rabbins comme des groupements interstitiels et non comme des des cultes officiels. J'incite sur ce point, c'est très très important. Lesquels sont représentés par les synagogues En bref, le judaïme synagogal d'après 70, comme le judaïme sacerdotal d'avant 70, représente le culte officiel de la nation judéenne. Les rabbins mettront plusieurs siècles à s'emparer du leadership, ceux originaires de Babylonie n'y parviendront qu'avec l'expansion musulmane et n'étendront leur influence à partir du 7e-8e siècle que sur les territoires conquis par l'islam, à l'exclusion de l'Empire byzantin et des royaumes issus des invasions barbares. Avant d'aborder quelques cas particuliers documentant la question, je voudrais vous fournir des éléments de réflexion et des éléments de méthode qui permettent de prendre conscience de ces nombreuses difficultés. Tout d'abord, quelques éléments de réflexion. Les chrétiens, après la destruction du temple de Jérusalem, auront tendance à se réclamer du pouvoir des prêtres sans doute pour s'opposer aux rabbins qui le récusent et avec lesquels ils sont entrés en conflit, mais aussi du judaïsme synagogal qui, lui, s'en réclame toujours et espère en l'imminence de sa restauration. Il n'est donc pas étonnant de voir les chrétiens adopter nombre des règles sacerdotales en vigueur, à l'époque du Second Temple, alors qu'elles sont définitivement abandonnées par les rabbins. Certes, les chrétiens trouvent leur légitimité en Jésus de Nazareth, qu'ils apprécient et valorisent selon diverses idéologies, prophétiques ou messianiques, je résume à de rentrer, diverses croyances, être plutôt humains ou plutôt divins, avec de nombreuses variantes et diverses figures, fils de David ou fils d'Aaron, pour n'en citer que, que deux, car elles sont, et vous le savez, bien plus nombreuses. Pourtant, ils renvoient aussi leurs origines à la Torah, à la loi, car ils maintiennent la validité, dont ils maintiennent la validité, tout en la relativisant, par divers procédés d'interprétation textuelle, notamment celui de l'allégorie grecque. Ce faisant, il revendique, non sans raison, la même origine que les rabbins et les synagogues. C'est pourquoi, pour assurer leur légitimité, les chrétiens, comme d'ailleurs tous les autres judéens, se réclament du Vérus Israël, c'est-à-dire du même héritage culturel, celui qui remonte à l'Israël ancien, au Vétus Israël, selon des représentations qui sont d'ailleurs rarement antérieures aux époques perses ou grecques. De manière systématique, ainsi qu'on le propose depuis un certain temps, on utilise de préférence le terme judéen au terme juif. Et nous nous exprimons en français. Si je m'exprimais en allemand, je n'aurais pas à faire cette remarque. Quoique, il y a aussi un problème. Pour l'époque envisagée, le premier, qui vient de l'hébreu, de l'araméen, du grec et du latin, paraît en effet plus conforme que le second. Il représente notamment l'avantage de ne pas être anachronique. Cette désignation paraît plus adéquate car elle veut simplement signifier que l'idée d'une identité liée à l'origine géographique, c'est-à-dire une personne originaire de Judée et aux lois en vigueur dans cette région, a précédé celle d'un statut essentiellement religieux qui n'a été perçu comme tel que bien plus tard. Ce serait donc une erreur d'appréciation, et je reviens à mon exposé après cette petite remarque technique, ce serait donc une erreur d'appréciation que de penser qu'il y a eu, comme on l'a le, on le, on pensé, qu'il y a eu captation d'héritage. Car l'histoire des idées et des faits, Montre que les chrétiens, comme les autres judéens, sortent du même moule, si vous me permettez cette expression, cette image, que les uns et les autres sont originaires du peuple judéen vivant en Palestine ou en diaspora, entourés de leurs sympathisants ou de leurs catéchumènes non judéens. Ce sont ces derniers qui forment de plus en plus les communautés croyantes en Jésus. Mais il ne faut pas ignorer le phénomène de prosélytisme qui est très important, surtout si l'on veut comprendre l'histoire du judaïsme au Moyen Âge, en Europe orientale notamment, mais également en Europe occidentale. Il y a eu concurrence. Le christianisme, à travers ses théologiens, ce qu'il va estimer comme orthodoxe, entre guillemets, a voulu se distinguer des autres formes de judaïsme. Il n'y parvient réellement qu'au quatrième siècle, même si les prémices de cette distinction remontent déjà au deuxième siècle. Les chrétiens, contrairement aux autres judéens, croient au Messie et observent la Torah, la loi. Cette dernière, n'étant pour eux nullement abrogée, mais relativisée par divers procédés qui permettent, qui permettent de la rendre acceptable aux Grecs, notamment par l'allégorisation de la circoncision. La circoncision n'a jamais été abrogée dans le christianisme, elle demeure jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais elle est allégorisée. Pas tout à fait la même chose. De plus, les chrétiens récupèrent, je l'ai déjà dit, l'héritage sacerdotal qu'ils interprètent sensiblement, mais sans tellement s'en écarter. Ils n'ont pu le faire que par le, que par le biais des chrétiens d'origine judéenne, ceux de langue et de culture araméenne mais aussi ceux de langue et de culture grecque, car c'est à eux que les chrétiens d'origine grecque doivent cet héritage. Cette perspective tracée à traits, est sans doute trop simplifiée, pour ne pas dire caricaturée, montre que les chrétiens, comme les synagogues et les rabbiniques, sont issus du même monde religieux, à savoir les croyances, et pratique du peuple judéen, autrement dit, si vous voulez parler d'une manière moderne, autrement dit, le judaïsme. Pour les trois premiers siècles de notre ère, cette perspective indique que les chrétiens et les autres judéens sont issus du même monde politico-religieux, à savoir l'ethnicité judéenne, pour faire simple, le judaïsme, et que leurs revendications sont parallèles, pour ne, pas dire pour ne pas dire identiques, dans le fond en tout cas, si ce n'est dans la forme. Sans compter que les synagogues et les rabbiniques s'opposent sur nombre de croyances et pratiques, et notamment sur une espérance escha eschatologique active que les premiers, contrairement aux seconds, espère vivement. Il s'oppose aussi sur l'imminence des prêtres et sur la valeur des sacrifices. De fait, à cette époque, la concurrence a surtout joué entre les chrétiens et les synagogues qui proposent des croyances messianiques assez proches, même si celle des premiers est dans l'attente du retour du Messie, tandis que celle des seconds et dans l'espérance de l'arrivée du Messie. Les membres du mouvement rabbinique étant encore assez réservés à l'égard de toute manifestation messianique qui est, selon lui, source de malheur et de désordre, comme, comme l'a été par exemple l'épisode de Simon Bar -Kosiba, ou Bar Korba en 132-135. Ces trois formes de religiosité, qui ressortent encore d'une manière ou d'une autre du judaïsme ou de l'ethnicité judéenne, ont développé tout un arsenal de concepts pour construire et définir leurs confins, ce que les anglo-saxons appellent les « bondéréses », notamment celui de l'hérésie et celui du canon. Le premier pour exclure les gens, le second pour les écrits dont les croyances et les pratiques ne sont pas conformes à celles que l'on veut reconnaître. Quant à savoir à quand remonte le processus de la distinction entre les communautés chrétiennes, entre guillemets, composées de disciples d'origine judéenne, ainsi que, les disciples, que de disciples d'origine grecque, et les autres communautés judéennes, qui relèvent d'un phénomène de différenciation culturelle, plus que religieuse, on peut préciser qu'il commence à se mettre en place à partir des années 70 et qu'il semble plus ou moins achevé dans les années 135-150, du moins avec les rabbiniques, mais pas nécessairement avec les synagogues. De toute façon, il est correct de dire que la conversation, entre guillemets, d'après l'expression de Daniel Boyarine, entre tous ces groupes, a duré au moins jusqu'au IVe siècle. Mais je suis assez classique en m'en tenant aux années 135-150, parce que vous avez des auteurs qui, eux, estiment que la distinction, la séparation, n'est intervenue qu'au IVe siècle. Ça dépend des lieux, évidemment, toujours. On ne peut pas parler d'une manière générale. Dans l'Empire, il suffit de changer de région, même de cité, pour que. Tout change. D'autant que cela a permis aux chrétiens de mettre au point le dogme afin de définir le caractère ontologique de Jésus, notamment en entretenant des discussions conflictuelles avec les Judéens synagogaux, du moins avec ceux qui sont binitaristes renvoie à la dernière conférence abordons maintenant quelques éléments de méthode excusez moi d'une manière générale on peut avancer que la polémique entre les judéens chrétiens et les judéens non chrétiens va porter principalement sur deux points. D'une part, sur les observances de la Torah. D'autre part, sur les interprétations de la Torah. Le débat autour de la messianité et celui autour du rôle d'Israël dans le temps du salut relèvent l'un et l'autre de la polémique issue des diverses interprétations de la Torah les conflits autour des observances et des interprétations sont certes extrêmement liés mais ce sera essentiellement du moins au deuxième siècle le conflit autour des interprétations qui provoquera la différenciation entre ceux qui reconnaissent jésus comme le messie et ceux qui ne le reconnaissent pas comme tel car à l'époque c'est à partir de l'interprétation de l'Écriture que l'on peut et que l'on doit reconnaître ou non Jésus comme le Messie. Au IVe siècle, le conflit porte aussi sur les observances et notamment sur la circoncision et les pratiques alimentaires. Observons qu'une distinction fondamentale s'impose. Il convient en effet de ne pas confondre la polémique entre les Judéens chrétiens et les Judéens non chrétiens, qui concerne le conflit des interprétations, et celle, la polémique, entre les chrétiens d'origine judéenne et les chrétiens d'origine grecque, qui porte sur le conflit des observances. Par conséquent, les communautés des disciples de Jésus se sont trouvés confrontés à une double polémique. Une première externe à leur mouvement, une seconde interne à leur ethnicité. Ajoutons qu'une dernière polémique, qui est plutôt une controverse, mérite d'être mentionnée. Il faut en effet établir une distinction toute théorique entre polémique et controverse. La première est plutôt d'ordre interne, alors que la seconde est plutôt d'ordre externe. Il s'agit de celle opposant le christianisme et le judaïsme à partir des 3e, 4 siècles, qui reprend les thèmes antérieurs, autant ceux sur les observances que ceux sur les interprétations, afin sans doute de circonscrire la concurrence, non pas nécessairement celle du prosélytisme judéen auprès des Grecs, mais celle de l'influence judéenne dans le monde réco-romain et de l'intérêt que les Grecs ou les Latins portent aux croyances et pratiques judéennes. Il ne sera pas question ici de ce que l'on appelle l'anti-judaïsme chrétien, qui est issu justement de la controverse entre christianisme et le judaïsme, le terme antijudaïsme est préférable, me semble-t-il, à celui d'antisémitisme, du moins pour l'Antiquité. Il convient aussi de ne pas confondre l'antijudaïsme chrétien et la judéophobie dréco romaine même si le premier phénomène est en quelque sorte la continuation du second, à partir du moment où la plupart des chrétiens sont d'origine grecque. Je vous renvoie à, un chapitre de mon, à une partie de mon livre sur le judaïsme pour toutes ces questions qui peuvent paraître complexes mais qui ne le sont pas tant. Il ne sera pas question aussi de lanti judéen, car, comme je l'ai déjà dit, le phénomène existe. Lui aussi est d'ailleurs issu de cette même controverse. Parmi les pièces du dossier de cet anti je vais citer le cas de Polycarpe, évêque de Smyrne, mis à mort en 154, dont le martyr est raconté dans une lettre de la communauté de Smyrne à celle de Philomélium, dans laquelle est rapportée l'attitude de certains Judéens non chrétiens favorables à son exécution. Il y a aussi le cas de Pionus. Il y a d'autres cas, y compris en Afrique. Ces deux dernières, quand je parle de l'Afrique, c'est dans le sens latin du terme. Il ne sera pas question aussi. Euh, ces deux dernières controverses, excusez-moi, à l'évidence supposent une séparation plus ou moins consommée et une concurrence entre judaïsme et christianisme. À ce sujet, il convient de relever que la documentation judéenne relative à l'antitristianisme est assez pauvre, du moins pour le deuxième siècle. Cette situation peut s'expliquer par le fait que l'on ne dispose pour l'époque que de documents rabbiniques originaires de Palestine, à l'exclusion, du moins apparemment, de tout autre document originaire de diaspora. Par ailleurs, cette indigence peut s'expliquer par le fait que ce sont surtout les chrétiens qui ont voulu se distinguer des judéens et non pas l'inverse. Dans, dans les communautés judéennes non chrétiennes, les modalités de différenciation se fondent sur le système de la mise à l'écart et sur l'auto-exclusion. Je vous renvoie au cas de l'auteur anonyme de l'épitre à Diognette. On peut le constater, la situation de séparation entre christianisme et judaïsme est la conséquence d'un certain nombre de polémiques successives qui se sont développées dans des contextes différents, sans nécessairement s'ignorer les unes les autres, au point qu'elles semblent parfois se télescoper dans le temps. Les chrétiens se sont heurtés aux autres judéens pour exister dans un monde romain où la singularité religieuse est importante, comme le montrent un certain nombre de cas, comme celui des auteurs de l'Évangile selon Matthieu ou de l'Évangile selon Jean, de même que ceux d'Ignace d'Antioche et de Méliton de Sarde. Avant d'examiner certains de ces textes, malheureusement, le temps étant ce qu'il est, on n'aura pas le temps de tous les examiner, mais j'ai commis des travaux auxquels je peux vous renvoyer. Avant d'examiner ces textes ou ces auteurs, je voudrais me pencher sur la question, très rapidement, mais quand même, sur la question du virus Israël. La notion d'Israël véritable. Est éminemment chrétienne. Mais elle se rencontre déjà dans la littérature essénienne, retrouvée dans les drottes proches de la mer morte, à des fins de légitimation face au sacerdoce de Jérusalem, considéré comme illégitime par les membres du groupe. Pour les chrétiens, elle exprime la conviction que, dans le plan divin, ils sont les successeurs authentiques de l'Israël du second temple, avant 70 de notre ère. Elles se fondent sur une relecture des croyances et des pratiques anciennes, selon des catégories de pensée plus ou moins héritées de Paul de Tarse. L'être et esprit, provisoire et éternel, particulier et universel, matériel et spirituel. Ce sont des thèmes qui ont été surétudiés. Peut-être pas dans cette perspective. Dans cette ligne théologique, il est considéré que l'alliance avec Abraham, père de nombreuses nations, annonce la mission du Christ. Ainsi, dans cette alliance nouvelle, destinée dorénavant à l'ensemble de l'humanité, la circoncision, signe majeur de cette alliance, est préfigurée. Et on parle de circoncision du cœur, c'est-à-dire le baptême qui seul permet d'accéder au sens véritables des Écritures. De plus, la loi du Sinaï, réservée au peuple hébreu, annonce maintenant le triste la nouvelle loi, la loi nouvelle pardon, et l'héritage de la terre promise représente par avance le rassemblement universel des nations sur la montagne sainte. La double descendance des patriarches symbolisant l'Israël selon la chair et l'Israël selon l'esprit. L'ensemble des prescriptions, des événements et des institutions de l'Israël ancien est ainsi interprété, je l'ai fait très rapidement, est ainsi interprété dans un sens messianique en Jésus, le triste, en Jésus, je traduis le Messie. C'est chez Justin de Néapolis que le concept d'Israël véritable trouve sa plus ancienne formulation explicite. Le rapprochement des expressions montre que véritable et spirituel sont ici, sont ici, y sont ici, presque synonymes. Car, je cite, la race israélite, véritable, spirituelle, c'est nous qui, par ce triste crucifié, avons été conduits à Dieu. C'est dans son dialogue, dans le dialogue avec Trifon, en 11.5 nous sommes, ajoute cet auteur, il y a d'autres références mais je passe, nous sommes la véritable race israélite. dialogue avec trifon 135, 3. cette question est, est progressivement devenue au centre du processus de séparation entre christianisme et judaïsme. ainsi, elle a déterminé la représentation que le christianisme des origines a de lui-même par rapport aux judéens et aux grecs non-chrétiens. Toujours chez Justin, elle occupe une place exceptionnelle qui correspond à une période particulière et unique dans l'histoire des relations entre christianisme et le judaïsme. Antérieurement, la communauté chrétienne, alors Justin se. 150, autour. Antérieurement, la communauté chrétienne n'est pas suffisamment distincte de la communauté judéenne pour qu'une telle problématique puisse être envisagée. Après Justin, et en particulier lorsque le christianisme est devenu religion officielle de l'Empire, au IVe siècle, la situation relative des deux communautés rend cette question caduque. De fait, le premier à utiliser tel quel l'expression Vérus Israël est évidemment Origène. Dans son commentaire en Romain, en 8 11, il considère que le véritable Israël est le triste. Dans ses homélies sur les nombres, en 11 4 et 28 lorsqu'il invoque l'étymologie d'Israël, il applique la même expression aux anges et à l'Église eschatologique qui voient Dieu et finalement à l'Église terrestre en raison du lien qui l'unit au ciel. Il convient d'observer que chez Origène, l'expression Vérus-Israël sert à mettre en évidence la transcendance des biens éternels avec lesquels l'Église est en communication dès à présent. Quand il l'applique à l'Église, ce n'est pas dans le but d'éliminer l'autre Israël, par antithèse, ou de le disqualifier comme un faux Israël. Il veut plutôt attirer l'attention sur un certain type de rapport que l'Église possède avec les biens célestes, c'est-à-dire rapport intérieur spirituel, alors que l'Israël, selon la chair, ne possède... Avec, ce, avec ceci qu'un rapport extérieur, charnel. La prétention chrétienne à être Israël n'est plus affirmée que de façon ponctuelle. Elle ne trouve aucun écho dans la littérature judéenne, pas même dans les écrits de controverse. Alors, le temps passant très rapidement, je, vais, euh, je ne vais pas traiter d'Ignace d'Antioche, ni de l'Évangile selon Matthieu, ni de l'Évangile selon Jean. Je vais simplement traiter d'un auteur particulier, c'est Méliton de Sardes. Méliton, évêque de la communauté chrétienne de la cité de Sardes, est un auteur dont les écrits datent d'entre 160 et 180. Dans son homélie sur la Pâque, qui est à destination interne, Méliton de Sardes donne une description dramatique du meurtre de l'agneau à Jérusalem, mettant en accusation la nation judéenne dans son ensemble, sans aucune distinction entre les chefs, et le peuple, entre les Judéens de Palestine et ceux de diaspora, entre les Judéens du temps de Jésus et ceux de son temps. C'est un texte bien connu. Une grande partie de l'homélie sur, sur la Pâque, c'est un texte bien connu, mais c'est un texte que nous n'avons que d'une manière fragmentaire et qui ne nous est parvenu que dans un seul manuscrit. Donc, c'est un texte peut-être bien connu, mais à la postérité extrêmement réduite. Une grande partie de l'homélie sur la Pâque, les trois quarts, est consacrée implicitement ou explicitement au statut d'Israël et à l'accusation de déicide. D'une manière générale, on doit avancer que les vues de Méliton sur les autres, les autres Judéens sans doute des synagogues, car les rabbiniques ne sont pas attestés à son époque en Anatolie, peuvent se réduire à deux éléments essentiels. Premièrement, les symboles chrétiens, ainsi que les festivités et les croyances, ont remplacé et abrogé ceux en usage dans la nation judéenne. La loi est remplacée par l'évangile la terre par le temple spirituel et Israël par l'église. Deuxièmement, les Judéens, en tuant Jésus, ont en réalité assassiné leur Dieu. Méliton est sans doute le premier auteur chrétien à parler de peuple déicide. Accusation qui, comme on le sait, aura un long... Et triste cheminement durant près de 18 siècles. Le réquisitoire que Méliton porte à l'égard de la nation judéenne est étonnant pour l'époque, surtout à cause de son ton extrêmement agressif, au point qu'on peut se demander quelles ont pu être les relations à Sardes entre la communauté des chrétiens. Et la communauté des synagogos, et même se demander si Méliton n'est pas d'origine judéenne, car il semble connaître fort bien les pratiques et les croyances judéennes, notamment dans la première partie de son homélie. Le fait que Méliton a été un quarto déciment n'est sans doute pas à négliger pour apprécier son homélie. Surtout dans son aspect anti-judéen. D'autant que l'on sait que les quarto décimans sont des chrétiens d'origine judéenne, continuant à observer la fête de Pâques selon le calendrier en vigueur dans l'ethnicité judéenne. Pour eux, la Pâque tombe le 14 Nissan. Quoi qu'il en soit, de la question de ses origines ethniques, qui a été beaucoup travaillée ces dernières années. Le voyage de Méliton en Palestine, pour clarifier le contenu de la Bible hébraïque, suggère que les relations entre lui et la communauté des synagogues de Sardes, au demeurant très puissantes et très intégrées à la vie de la cité, nous en avons des traces archéologiques et épigraphiques très importantes, ont dû être vives, car il est évident qu'il aurait pu y trouver, parmi ses membres, les renseignements recherchés, plutôt que de faire un long voyage en Palestine. L'attitude violemment anti-judéenne de Militon semble être aussi le résultat de la concurrence très dure. Qui règnent à cette époque en Anatolie entre Judéens de toutes tendances, y compris chrétiens et synagogues qui rivalisent pour attirer les grecs sympathisants, c'est à dire séduits par les croyances et pratiques judéennes, afin de les intégrer dans leurs communautés respectives. Pour la fin du 1er siècle et le début du 2e siècle, je vous renvoie notamment au témoignage de l'Apocalypse de Jean, la, la chapitre 2. Je vous renvoie à Ignace d'Antioche, la lettre philadelphien, chapitre 6, et au témoignage de Justin de Néapolis, son dialogue avec Trifon, chapitre 47. Et il y a d'autres témoignages. L'évêque de Sardes, Militons, cherche à définir une certaine conscience chrétienne, en dépouillant la nation judéenne officielle de ses traditions. Il est même possible que le contexte de son homélie soit la persécution, c'est une hypothèse qui a, été, qui a été parfois retenue, soit la persécution qu'auraient subi les chrétiens d'Anatolie à l'époque de Marc Aurel. Sur laquelle on est informé que par une apologie écrite justement par Méliton entre 169 et 177, dont le texte n'a pas été conservé, si ce n'est par ce qu'en rapporte Eusèbe de Césarée dans, en Histoire ecclésiastique 426 et puis dans bien d'autres passages de son œuvre. Méliton est par conséquent un maillon essentiel dans les années 160 pour comprendre comment la conscience chrétienne, et vous remarquerez que je ne parle pas d'identité, comment la conscience chrétienne s'est constituée dans un climat de conflit extrême avec les synagogos à propos aussi de la récupération des anciennes traditions d'Israël dont les uns et les autres se prétendent les héritiers exclusifs. L'épître à semble sensiblement plus tardive, du moins le dit-on, représente l'aboutissement de ce phénomène. De ce point de vue, <laughs> Méliton de Sardes est le témoin de la mise en place de la distinction ou de la séparation, entre chrétiens et synagogues tout au moins en anatolie le conflit conduisant à cette distinction ou séparation dans cette partie de l'empire romain a commencé vers la fin du premier siècle l'évangile selon jean l'apocalypse de jean ainsi que les épîtres de jean en sont les premiers témoins les lettres d'Ignace d'Antioche, sauf celles adressées aux Romains, en étant les principaux autres témoins. Elle se poursuit ensuite, comme le montre le martyr de Polycarpe vers 160 et le martyr de Pionus vers 250. Donc nous avons un dossier conséquent pour l'Anatolie, sans compter qu'à partir des années 180, on commence à avoir des pièces épigraphiques des inscriptions chrétiennes. La première inscription chrétienne vient d'Anatolie. C'est celle d'Abertius. Quelques éléments de conclusion. Le christianisme, comme les deux autres entités judéennes, entretient une revendication, euh, comme les, deux autres entre, les trois entités judéennes entretiennent, une revendication commune. Toutes trois se déclarent en effet le virus Israël. Il y va de leur légitimité, car c'est ça le fond du problème, il y va de leur légitimité face au pouvoir romain, qui lui ne reconnaît que l'ethnicité judéenne au sens large et entier, en essayant de faire le moins possible de distinctions. Cette revendication, reprenez le dossier de Pline le Jeune, le dossier des lettres, entre lui et Trajan, tra on, on est toujours dans ce registre et on est toujours dans cette zone géographique. Cette revendication du virus Israël est propre à tous les conflits qui ont éclaté entre les diverses tendances idéologiques israélites on peut aussi le constater, par exemple, chez les esséniens. j'ai déjà dit ou chez les samaritains. la question se pose de la même manière jusqu'à aujourd'hui. les chrétiens, les synagogues et les rabbiniques ne sont, ne sont donc pas les premiers à revendiquer ce slogan à des fins de légitimité. on a longtemps parlé de rupture entre christianisme et judaïsme. Puis, on a parlé de séparation entre christianisme et le judaïsme. On peut se demander s'il ne conviendrait pas plutôt de parler de distinction, non pas entre christianisme et le judaïsme, mais entre le christianisme et les autres formes du judaïsme. Quoi qu'il en soit, car toute réponse est forcément réductrice, il convient de ne pas projeter dans l'Antiquité des entités qui ont émergé progressivement dans le temps. Il est à train, d en effet, qu'il n'y ait jamais eu ni rupture, ni séparation entre ce qui deviendra le christianisme et le judaïsme, mais plutôt une distinction de plus en plus radicale avec le temps et surtout avec la montée en puissance et en pouvoir de l'Église à partir du IVe siècle. On l'aura compris, même s'il faut le préciser explicitement, que le conflit a été interjudéen, du moins jusqu'au deuxième siècle, voire le quatrième siècle, dans certains cas. De toute façon, parler de rupture de séparation est une question idéologique, qui suppose une toute autre question celle de la distinction entre un christianisme et un judaïsme, aux diverses ramifications qui se veulent différents afin d'empêcher toute confusion dans les esprits. Car si l'un et l'autre se, se, se confondaient, comment alors pourrait-on les distinguer de manière aussi radicale que l'un et l'autre le voudraient. Les juifs, jusqu'à aujourd'hui, ne veulent surtout pas être des chrétiens. Et les chrétiens, jusqu'à aujourd'hui, ne veulent surtout pas être des juifs. Pourtant, ce sont des distinctions qui n'ont pas beaucoup de sens. Mais les identités étant ce qu'elles sont, eh bien on leur donne un sens. Partant de là, la porte à tous les conflits est ouverte.